commencement, début, c'est tout ça prémisse signifie. Bon Dieu t'a demandé, peuple, pour ne pas seulement honorer avec bien, mais pour honorer avec prémisse. Et d'ailleurs, on remarque le mot bien et au pluriel. Parce que nous sommes expliqués bien, il y a plusieurs facettes. C'est même genre tout prémisse là, il y a plusieurs facettes. Si vous regardez pour prémisse là, pour le pluriel. Nous disons comme ça, selon la parole de Dieu, dans le vocabulaire de Dieu, le mot premier, il a une importance capitale. Amen. Bon Dieu, dans la relation avec l'homme de tous les temps, de tous les âges, il voulait se lire pour un premier dans la vie. C'est une église. Il ne parle ni c'est pour un petit qui pour premier dans la vie. Il ne parle ni c'est le mari qui est premier dans la vie. Il ne parle ni son madame qui veut venir dans la vie. Mais il blesse les camps premier. Et d'ailleurs, même vous, même tout, il ne parle pas mettre tête en premier. Celui. Parce que ça, Christ dit, si vous voulez suivre, moi, dis là, il vient de yourself. Renoncez même à tête pas. Amen. Il va besoin de Christ. Il même nous renoncer à tête pas. Et lorsqu'il accepte, il nous cherche premier. Le royaume. Yes. Ce qui signifie, l'aime nous assembler, moi, moi, qui nous, nous avons des soucis et fardeaux des âmes. Pour me sentir, manquer de travail, il faut m'aller évangéliser pour mes amis. Parce que c'est vite d'abord. Parce que l'église a fait. Il voulait moi le royaume d'abord. Avant même moi, tête, moi, Christ veut moi le royaume. Amen. Parce que c'est pas moi qui dis non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ouais, le mot premièrement, en premier, royaume dans vous cherchez. Et puis nous, tout notre royaume dit après. Premier. Ça veut dire que Israël, qui est le peuple de Dieu, l'homme et la Bible, dans Exode chapitre 13, verset 1 à 12, l'Éternel te dit Moïse, parlez avec Israël. L'Éternel parle à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Il dit Moïse, consacrez-vous-moi tout premier-né, ni dans le monde, ni dans la bête. Yo pour moi. L'Éternel réclame tout premier de moi. Il m'appartient. Est-ce qu'on a même l'église? Il m'appartient. Et dans le même Exode chapitre 13 là, verset 12 là pour ton clarité pour nous, non seulement premier-né, mais pour ton précision qui type de premier-né. Il dit, tout premier-né des animaux, le mâle appartient à l'Éternel. Ni dans la famille, tout premier petit garçon qui fait dans la famille, on a consacré comme premier à l'Éternel. Tout premier petit qui fait dans la bête, on a consacré comme premier à l'Éternel. Jardin nous planter, tout premier parti de récolte dans le monde, on a consacré à l'Éternel comme premier. L'Éternel réclame du droit. Il dit ça même, il m'appartient. Il oublie. Et si on ne connaît pas Dieu, on va vous dire, on va dégager. Parce que même l'Éternel dit là dans Exode 13, verset 1. Il m'a dit consacré tout premier, mais on sait pour lui. Il y a une raison, il y a une question que tu as posée, mais pour qui ça tout l'Éternel réclame le premier livre. Premier bagage, l'Éternel toujours voulait en premier dans tout bagage. Yes, yes. Et deuxième raison, l'Éternel n'a pas frappé l'Égypte par dixième plaie. Il trouvait tout premier né des Égyptiens, ni dans le monde, ni dans la bête. Israël même qui était à Gozen, à cause de 100 moutons qui étaient dans les deux portes là, Zange l'en mort partout yon grain. L'Éternel t'a préservé les premiers nés d'Israël, tant des animaux que des hommes. Alors qu'il était exterminé les premiers nés d'Égypte, tant des hommes que des animaux. Donc immédiatement après, bon Dieu dit Moïse, tout premier né. Des hommes et des animaux d'Israël. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est ainsi que, parlant des prémices, nous voyons que, à
avant même Moïse de prendre naissance, dans pile monde qui vient me parler, il y a pas de bail comme l'église. Yo do dit c'est pas ancien testament. Nous pas comprendre ça. Nous pas comprendre ça. Yo do dit c'est pas ancien testament. C'est bail la loi. Excusez-moi, yo do dit c'est bail la loi sous la loi. Alors que dit plus grand parce la loi. Et Christ parlait sous dit dans le Nouveau Testament. Et Christ a encouragé le paiement des dîmes. Deuxièmement, l'homme pour un chrétien est au prémisse, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans la loi. Alors que même Jean dit qu'il existe avant la loi, ou pas le prémisse existe avant la loi. Lors dans Genèse, chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 4, la Bible dit Adam connut Ève, il fait premier petit garçon, il est le Caïn. Encore une fois, il connut Ève, il fait deuxième petit garçon, il est Abel. Au bout de certains, il dit Caïn fut l'amoureux et Abel était un berger. Au bout de certain temps, messieurs ont senti pour y'en faire un fouin dans l'éternel. Est-ce que là? Amen, amen. Et moi, je vais vous dire, bon Dieu, mon bagage, il était dans l'homme pour faire l'homme qu'on aime, pour faire l'homme qu'on volonté, sans l'homme, pas dans même besoin, personne ne dans ces lieux de Dieu. C'est ça, il est l'intuition dans l'homme. Au bout de certain temps, messieurs ont senti nécessaire. Faut offrir à l'Éternel l'être suprême. Et puis Caïn offrit à l'Éternel des fruits de la terre, parce que c'est l'amour et le cultivateur qui est. C'était l'amour. Est-ce que la reine? Abel même de son côté en fit une offrande aussi des premiers. Gardez-vous à vous. Une offrande des premiers. Regardez Genèse 4, dès qu'on garde lui, verset 4 là. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau. Et Abel dans l'offrande, il baille les premiers nés. Est-ce que oui? Caïn baille des fruits de la terre, mais la Bible parle sur les premiers. Mais là, il est sur Abel, il doit offrir Abel là, c'était les premiers nés de son troupeau. Les premiers nés de son troupeau. Là, regardez ça qui va passer dans verset 5 là. La Bible dit comme ça, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui, l'Éternel porta un regard favorable sur le sujet d'abord, Abel. Oui, c'est l'offrande là, vraiment, qui est intéressé l'Éternel, c'est le monde là. Texte là-bas, où l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande et sur Abel. Et d'où l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et sous offrande d'Abel là. Et pour Caïn, qui s'est passé? Mais, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Abel touchait veine sensible l'Éternel. Abel satisfait les désirata de Dieu. Il m'a bénisse. Tout premier né dans le bête, et c'est pour ça que nous, ça veut dire que c'est sans maman qui a fait petit, tout premier né, il va être éternel tout le temps. Regardez le texte là pour vous. Les premiers né. Les premiers né. De son troupeau. Ça veut dire que l'éternel peut quand même enseigner prémisse par le peuple là. Parce que c'est Moïse qui va le dire pour demander Israël prémisse. Mais depuis avant, l'éternel va enseigner Moïse sous prémisse pour commencer prémisse. Prémisse de Geta qu'on a commencé à Abel. Abel Geta au fruit l'éternel. C'est à dire qu'il y a sa prémisse avant la lettre. Alléluia. Abel Geta au fruit les premiers. Et l'éternel pour ton regard favorable. Les Caïn, ouais, ça, Caïn fâché. Visage Caïn abattu. Et puis l'éternel garde Caïn. Dans verset 6, il dit l'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
Des gens qui disent pour qui sont fait figure, ou mal une figure, ça. Parlez pour faire. Pasteur Wayne. Pasteur Wayne, mais Kaleb. C'est ça que les gens qui disent parler dans son oreille, c'est pour commencer par identifier comme Kaleb. Et Kaleb va recevoir une malédiction, puis devant. Parce que même bagay ça pas protéger jalousie. Et c'est même bagay ça donne dans l'église. Nous n'avons pas appliqué les ordonnances de Dieu. Mais nous, l'autre monde qui a metté la parole de Dieu en pratique, bon Dieu béni, il va commencer à gagner jalousie pour ça. Il va commencer à railler ça. Et si je veux faire le mal, tout l'a fait mal. Même pas dans l'église. Parce que c'est même ça qui va faire carrière de jalousie. Et carrière va le commettre un gros crime qui devant. Il y a des façons où on n'a pas agi l'église. On va commencer par identifier comme un caïn sans respect pour mon Dieu. Bon, on va présenter par mon Dieu dans ton plan. On va sans respect pour mon Dieu. Mais nous-mêmes qui sommes hommes de Dieu, femmes de Dieu, on chrétien a servi, il doit servir un homme de Dieu bien. Il doit servir une femme de Dieu bien. Parce que pour mal servir, nous avons un manque de respect pour Dieu. Nous pensons que nous avons dérespecté, c'est Dieu de respecter directement. Parce que Christ dit, mais mon verbe, c'est pour mon verbe. Amen, amen, amen. Yes. Quand il est dérespecté, mon Dieu, il n'est pas mal plus belle. Alors que l'éternel, c'est premier à aimer. Amen, by Moïa. L'éternel a créé. Sami, dans les prêcher, je ne m'inquiète pas. D'abord, on 3 minutes. D'abord, on 3 minutes. On 3 minutes. Yes. Maintenant, les gens parlent de prémices en général. Il y a deux types de prémices qui intéressent l'éternel. Ce sont les prémices pascal là et prémices 50e jour là. Allez, je vais vous dire que je vais dit. Moi, il faut que tu te résumes vers là. Demain soir, c'est Dieu qui va continuer. Regardez, j'en dis à des gens qui t'ont dit, il parle de prémisse c'est by la loi, ou bien prémisse c'est by l'Ancien Testament. En nous qui avons dit, nous savons. By l'Ancien Testament, by la loi. Et nous parlons aujourd'hui, prémisse c'est by le Nouveau Testament. La Bible, les théologiens ont mis la vérité, ils ont dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombrage. Ça vient pour venir. Et ça fait leur étudier théologie. Ils ont étudié avant ça créer la typologie de la Bible. Bon, c'est de bâillons que l'Ancien Testament, c'est type. Nouveau, c'est l'ombrage. Réalité, avec le Nouveau Testament, il est anti-type. Ma bon exemple pour bien comprendre. Les peuples ont soif dans le désert. Bon, Dieu dit Moïse, frappe au chien avec bâton. Moïse frappe au chien, j'ai un maillot bleu. Bon, deuxième fois, peuple a soif. Mais Moïse, tellement le peuple a manifesté gratitude envers Dieu, presque lapidé. Bon Dieu, écoute Moïse, bon Dieu dit Moïse, parlez à Rochéa. Au lieu Moïse parle à Rochéa, peuple a fait tête de chaud. Moïse, oublié pas, il va frapper Rochéa encore. Et puis l'éternel dit moi, mission finie. M'endorvine. Parce que Rochéa a son type de Christ. L'homme pas bien pour frapper Christ deux fois. Son seul fois la courir. Son seul fois à calouter. Son seul fois à cracher la figure. Parce que l'aide tourne son lion pour le tourner. Et pas jouer qui peut rien. C'est le lion pour le tourner. La Bible, c'est le lion de la tribu de Judas. Mais ça, l'homme pas qu'à toucher encore. Parce qu'il a tourné dans toute gloire. Pour le vivre manger avec l'humanité. Et Moïse frappe au Chéa. C'est Christ qui frappe au deuxième fois. Bon, tu es qu'à tourner Moïse sur place. Mais dis-moi une mission finie. Ma foi contempler à distance Canaan. Yes. Mon pape n'a plus Canaan. Vous voyez loin Josué pour moi. Et c'est Josué qui a fait la bataille là. Parce qu'on péché là. On touche le rocher là. Et c'est ça que l'on lit la Bible. Il relève Jésus-Christ le rocher des siècles. Jésus-Christ est un type de rocher. Et même sans l'agneau, hein, l'éternel devait frapper Israël avec 10e plaie. Bon Dieu te dit Moïse, dit tout le monde prend ça, passez dans les portes là. Les anges vont pas descendre entre les deux soirs à minuit. Si un Israélite démarre, il va mettre ça dans les portes là, les anges vont pas la guerre.
C'est seulement et pour sauver, pour valer la mort, forcément. Sans vous ton sang, pour le soir. Lorsque vous voyez à Christ, diable pas à manger. Lorsque vous voyez à Christ, vous protéger. Lorsque vous voyez à Christ, vous ne pouvez pas mourir la mort. Ça te préfiguré le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est ton type de Jésus. Et ça fait nous, la Bible, c'est un livre typifié. Ancien Testament, tout ça, c'était image, ombrage. Et puis, réalité, on vient de dire dans le Nouveau Testament. Donc, Ancien Testament annonçait l'Évangile, Nouveau Testament même prêchait. Est-ce que l'Église l'a dit? Mais ça fait, ou pas qu'à qu'aimer seulement le Nouveau Testament, vous n'avez pas besoin de l'Ancien Testament. C'est tellement de bagages qui parlent pour nous, la Bible de Israël seulement. Il y a trois catégories sous la terre. Il y a l'Église, il y a les Juifs là-dedans, il y a Israël là-dedans, il y a la nation d'Israël en soi, mon Dieu traite avec là-bas, ensuite il y a les autres nations. Trois entités qui vivent sous la terre. Est-ce qu'on a amen? Ça pour Israël et pas pour l'Église. Est-ce qu'on a amen? Bien, prémissement, pour me faire comprendre, prémissement c'est premier. Et la Bible est Jésus prémisse. La Bible est Jésus prémisse. Et l'Éternel te dit Moïse, on l'ordre, l'arrivée la caillou, après, c'est ça, les prémisses pascal là. L'Éternel te dit Moïse, on l'ordre dans Lévitique chapitre 23, verset 9 à 14. L'ordre, l'Éternel dit Moïse, les peuples avant entrer dans le pays Canaan, pays que vous promettez, vous avez fait récolte. Récolte là, c'est moisson. Il y a la première partie de la première partie récolte là, c'est le prémisse. Ça veut dire si pas de moisson, pas de prémisse. Prémisse là, sorti en dedans moisson. Il y a la première partie de la il y a fait un gerbe. Il y a fait un gâteau avec elle. Et puis il y a porté le sacrificateur. Et puis le sacrificateur, après, il balance le devant l'Éternel le lendemain du sabbat. Attendez bien. Le lendemain du sabbat. Amen, amen. Sacrificateur après il balance ces là devant l'Éternel de part et d'autre. Et sacrificateur n'a pas qu'à permettre pour l'offrir offrande ça en l'autre jour. Qui joue qui le lendemain du sabbat? On a la même église. Le lendemain du sabbat, c'est qui joue? Le premier jour de la semaine. Il y aura une sept convocation. Et prémisse, pas qu'il doit offrir l'autre jour à l'Éternel que dimanche. Même bon texte là. Lévitique 23, verset 9, 14, vous pouvez lire la carte. Parce que si vous prenez le papier, la potée jette la raille l'Éternel et sacrificateur, le lendemain du sabbat, c'est-à-dire dimanche, sacrificateur va balancer des deux côtés, deux par une autre devant l'Éternel, pour l'Éternel capable d'agréer au fond de là. La potée, à partir du premier sabbat, ça, il va compter sept sabbats encore. 49 jours, le peuple a pris une deuxième prémisse. C'est son premier prémisse, 50e jour. Qui prend le lendemain encore du sabbat. C'est-à-dire, premier prémisse a offert le lendemain du sabbat. La côté 7 semaines, qui prend 49 jours encore, qui font tomber dans le lendemain, qui font tomber dans l'autre sabbat. Et puis, 50e jour après le lendemain du sabbat. Et puis, sacrificateur a pris pour l'offrir deuxième prémisse. Toujours Lévitique 23, verset 15 à 17. Maintenant, prémisse Pascal l'a de sacrifier Christ. Christ va mourir et qui joue Christ va le ressusciter? L'Église. Est-ce qu'on l'a même? Christ mourit et ressuscité qui l'est? Dimanche, le lendemain du sabbat? Du sabbat. Christ ressuscité dimanche, le lendemain du sabbat. C'est ça que la Bible est Christ prémisse de la résurrection. On va montrer tout ça. Réa, ma vie, oui. Ma vie, Réa. Oui, parce que Réa, il vient de me sentir dans ses guides de la brèche. Oui. Oui. Oui, finalement, il va faire ses mains. Réa, il vient de me sentir dans le courant de la brèche. Oui. 50e jour, prémisse 50e jour pour l'offrir à l'Éternel. Après premier prémisse qui offrit le lendemain du sabbat qui sont dimanche, prémisse 50e jour après l'offrir encore le lendemain du sabbat qui sont dimanche. Et prémisse 50e jour, il symbolise l'église.
Jésus mourit, il ressuscité. Après 40 jours, attendez bien, Jésus monte dans le ciel. 40 jours après, enfin Jésus monte dans le ciel, il dit, m'a voué le Saint-Esprit. Saint-Esprit descend. Il va 50 jours après résurrection Christ. Saint-Esprit descend. Ça le vient faire. Il inaugure l'église là. Acte chapitre 2. L'église là, c'est prémisse. Jésus, c'est prémisse. En nous les noms. 1 Corinthiens 15, vous me terminez. En nous les 1 Corinthiens 15. Je vais terminer avec vous. Il y a plus de monde d'avis. Mais mon obligé. En nous garder. Plus de monde d'avis. 1 Corinthiens 15, verset 20. On va commencer dans verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Parce qu'il est ressuscité de l'être et il n'a jamais mouru encore. J'étais mort. Ouais. Prémices. Christ est prémices. Deuxièmement, s'il tombe dans verset 23, il nous met chacun en son nom. 1 Corinthiens 15, verset 23.